Yo, bonjour à tous, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de 2018 jusqu'à 2020. Alors, il est 10h42, je suis en train de voir, de planifier tout ce que j'ai à faire, que ce soit sur mes vidéos, sur mes podcasts, et après on ira travailler, parce que je travaille chez Deliveroo, et je dois aller travailler dans à peu près moins d'une heure. Fatigue. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sur eBay, on vient de vendre un sac North Face qu'on avait mis en vente il y a à peu près une semaine. Ça fait super plaisir parce qu'il me sert à rien. Ensuite, la boîte d'un iPhone 6, mais je pense que je l'ai dit hier. Super. Énorme. Genre, je suis vraiment content. Je pense que j'ai un petit peu de trucs à ranger. je viens de découvrir sur Amazon qu'en fait ils disent que s'il y a un problème avec les batteries, il faut contacter Amazon et qu'il faut pas les renvoyer. Du coup, on va les contacter et voir ce qu'il en retourne. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me communiquer votre nom? Diabaté Kaitigi. Le numéro de la commande contenue. Bon appétit à moi. Je suis en train de me préparer là pour partir. Vraiment que je fasse quelque chose par rapport à la lumière. Parce que, en fait, c'est juste inacceptable. Là, c'est bien. Parce que j'ai regardé les vidéos que j'ai montées là. 38, 39, 40. Les premières avec cette caméra. C'est juste irrespectueux et irresponsable comment l'éclairage était fait. Franchement, c'est limite, je devrais mourir pour ce que j'ai fait. C'était lamentable. Bon, c'est une bonne caméra, hein, mais pour se filmer tout seul, c'est pas celle que je recommanderais le mieux. L'autofocus est nul. Genre, là c'est bon, mais l'autofocus a vraiment du mal à suivre. C'est le seul problème sur cette caméra. L'autofocus serait bon. Ouh, ce serait une caméra parfaite. Mais vu qu'il est pas bon. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de caméras qui font du 180 images par seconde. C'est un super outil quand il n'est pas en mode vlog. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on est en vlog, on a besoin d'avoir un bon autofocus pour pouvoir se concentrer sur le contenu qu'on fait. Un bon white balance, etc. Ce qui n'est pas le cas de cet appareil du tout. Donc bon. Allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Moi, en tout cas, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler. Comment on fait ça? On va faire de l'autre côté. Alors, j'accroche l'écran. Yo, et je suis de retour, enfin, avec un nouveau colis. Voyons voir ce que c'est. Tadam! Vous demandez très probablement à quoi ça sert. L'utilisation de ce truc-là, ça va être super intéressant, vous allez voir tout de suite. Alors, ça en fait, c'est un truc qu'on a acheté pour notre tripode. Le truc que j'utilise pour toutes les compétitions d'escrime. Ici, on a le sabot qui est là, qu'on va remplacer par le nouveau qu'on vient de choper. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça tombe plus du tout. De vraiment serrer et desserrer pour mettre le téléphone directement dedans. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on détache ça. Voilà, ici, on avait le socle. Et on va le mettre sur le socle de celui-ci. Donc voilà, là, on a l'iPhone qui est en train de me filmer. Et c'est le setup que j'ai. Donc, est-ce qu'on peut ajouter une lumière là-dessus? Voilà, ma chambre est vraiment mal illuminée. Mais c'est comme ça que ça marche. Je me sens comme un pro avec... Je sais pas si vous voyez là, tout ça, ça fait... On va faire l'escrime. Bye bye. Il m'amène à penser d'ailleurs que il faut que je vende un truc ce soir. Ce sac North Face qui ne sert à rien. Je l'ai mis en vente sur eBay. 50 euros. J'avais envie de vider chez moi, ça me fait de l'argent. C'est bénéf.
peux faire quelque chose de mieux. Ah, oh, c'est froid. Là, du coup, on va commencer à se mettre sur édition du vlog pour demain. Assez drôle. J'ai vu ça en fait sur une vidéo YouTube et ça m'a vachement inspiré de faire un montage comme ça. Bon, regardez pas mes affaires par terre, mais en fait, j'ai inversé le pôle de mon micro et ça me permet en fait vraiment d'avoir un truc vachement stylé. Et en fait, je peux même faire ça genre en baissant les pieds et ça me fait un truc vachement super proche du sol. Super incroyable. Je sais pas ce que j'ai fait toute ma vie, j'aurais dû passer plus de temps à faire des vidéos parce qu'en fait, c'est juste incroyable, c'est juste des barres. Je m'amuse quand je fais ça. Allez, cela dit, on retourne au vidéo editing. Tiens, un conseil très important à tous ceux qui décident de faire un petit peu comme moi, essayer de vendre des trucs qu'ils ont chez eux et qui leur servent à rien pour se faire un petit peu d'argent. Surtout, si vous achetez des trucs chez Amazon ou n'importe qui, gardez les emballages parce qu'un emballage, c'est de l'argent économisé pour vos prochains envois. Donc là, par exemple, le carton que j'ai eu, je le garde parce que ça fait un emballage que j'aurais pas besoin d'aller chercher. Ou sinon, pour les emballages, vous pouvez tout simplement aller dans les magasins. Tous les magasins ont plein de cartons que vous pouvez utiliser pour faire vos emballages. C'était la petite minute pratique du jour. Petit problème en fait avec ce truc là, c'est qu'en fait ça, c'est du mauvais côté. J'aimerais que ce soit de l'autre côté. Pour la simple et bonne raison qu'en fait quand c'est... Là le souci qu'on a avec ça en fait, c'est que vu ça c'est de ce côté, ça vient empêcher l'ouverture de la batterie de l'appareil photo qui est du même côté droit. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, là il y a des vis. On va prendre mon matériel d'escrime et on va s'amuser à le dévisser pour basculer ça de l'autre côté et me permettre de pouvoir l'utiliser normalement avec cet appareil photo. Ça devrait résoudre notre souci. C'était comme ça. Et voilà, c'est tout bon. Le plan a échoué. Je sais même pas pourquoi il y a ce petit truc là qui bloque le passage et qui du coup m'empêche de vivre ma vie. Bon, en tout cas c'est quand même mieux de l'avoir de ce côté là. Étant donné qu'à gauche il y a déjà la manette, à droite il y a rien, au moins c'est beaucoup plus simple de l'enlever. Peut-être que si j'avance l'appareil, au lieu d'avoir le truc tout serré, là ça passe. Parce qu'en fait on l'a avancé un petit peu sur le plateau qui est ici. Donc du coup ça passe beaucoup mieux. Faut qu'on se dépêche parce que là on a rendez-vous en ville, à Bordeaux, pour vendre ce vieux sac que vous avez. Ce sac à dos North Face que je vais aller vendre à Bordeaux. Donc on va s'en occuper tout de suite. On se retrouve tout à l'heure pour la séquence entraînement. C'est même pas possible en fait. Parce que je veux dire, j'ai pas de temps, faut que j'aille travailler. Là j'ai même pas encore fini le vlog pour demain matin. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je crois qu'on a un problème. J'avais un petit breton sur les moyaux, pas sous la... Oui, sous la chaîne aussi, mais la chaîne c'est... Yo, écoutez, je viens de rentrer à la maison. Ah. On est en train de préparer les pâtes là-bas. Et on va aller chercher un colis que... Une de mes voisines a récupéré pour moi. Vous voyez cette grosse boîte là? C'est la boîte de Jésus. La boîte du Dieu suprême! C'est à moi. On a la boîte. Mon colis, mon deuxième colis. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de l'histoire où en fait quand j'étais en Hongrie, j'étais avec Vike et Zeno tout simplement au supermarché. On faisait les courses et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a une petite fille, enfin une petite fille, je dis ça, on dirait que j'ai 59 ans. Il y a une fille qui a eu une adolescente, qui avait 12-13 ans, donc qui est venue vers moi et qui m'a demandé... Merde. Et qui m'a demandé, bonjour, est-ce que vous êtes youtubeur? Du coup, moi, innocent comme je suis, je vois qu'elle est super excitée, tout ça, qu'elle est genre, comme si elle parlait à un dieu vivant, tout ça, je me dis, bon, je peux...
au point où on en est, j'avais 77 abonnés, c'était il y a 2 semaines. Au point où on en est, je veux pas lui dire non, elle est vraiment trop dans le truc, elle a vraiment trop envie que je lui dise oui. Je vais lui dire oui. Du coup, je lui dis oui, elle fait oh, je peux prendre une photo avec toi? Et là, je dis oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'était juste incroyable, c'était. Elle a pris une photo avec moi, tout ça, tranquille, pas de soucis. Et Zeno et Vike me regardent en mode what the fuck just happened, you know? Et ensuite, elle part, tout ça, elle revient. Deux minutes plus tard, avec sa mère, elle fait « Je peux reprendre une photo ?» Je fais « Ouais, bien sûr, pas de soucis. » Elle s'est à côté de moi, tout ça, t'sais. Elle avait une grande couette, genre bien longue. Et elle la remet comme ça, tout ça, genre « Attention, elle doit se faire super mal, tout ça. » Et elle a pris une autre photo, tout ça, une ou deux photos. Elle m'a fait merci, tout ça, elle était trop contente. Grand sourire, ça m'a fait super plaisir. Elle est partie, elle m'a pas demandé ma chaîne. Elle s'est pas abonnée. Elle s'est pas abonnée. Au moins, elle aurait pu s'abonner, genre faire un petit truc pour la chaîne ou quoi. Non, même pas. Du coup, j'étais trop déçu. Mais c'était une super expérience. Avec plein de ports USB inutiles. Encore un autre truc qui est tombé. Le sac, le précieux. C'était l'instant marketing. Objet. Il ne restera plus qu'à nous étirer. Et vous allez pouvoir voir un petit peu. Il faut vraiment que je vous montre mes progrès dans cette petite vidéo mashup. Que vous puissiez voir où j'en étais, genre auparavant. Et où je suis bête. La fatigue s'empare de moi. Je pense que j'ai besoin de revoir un petit peu mon organisation. C'est un petit peu overwhelming de travailler dans ces conditions-là. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Your today's limits are only meant to be broken tomorrow. On va faire ça une nouvelle fois, chaque jour de plus. Boom. Let's get it. Prochain épisode de l'Olympic Vlog. Super impressionné, je pensais pas que quelqu'un l'achèterait. Coupe de France par équipe. Coach qu'on appelle maître d'armes en escrime, m'a dit qu'a priori je serais pas sélectionné. Mais presque, donc il faut que je me bouge un petit peu.